La sécurité routière à l'échelle locale. Donc, dans un premier temps, c'est cette diapo-là. Donc, elle a été faite pour correspondre à l'ensemble des départements, hein, comment on est structuré dans tous les départements. Ce n'est pas exactement la façon dont on est structuré ici, mais bon, le contenu, il est le même. Mon boss, c'est le préfet. Mais en direct, la personne que je vois, c'est la directrice de cabinet. Chez nous, ce n'est pas un directeur de cabinet. Bientôt, ce sera un directeur de cabinet, mais pour l'instant, c'est Madame Solaire. Hein. Et c'est elle qui est le chef de projet sécurité routière. C'est-à-dire que nous, on lui réfère tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, elle savait qu'il y avait cette première journée donc, de formation des élus référents. Et Audrey, donc, du service com de la préfecture, hein, a été mandatée pour venir couvrir l'événement. Hein. Lorsque l'on octroie des subventions, puisque cela fait partie aussi des missions que l'on a, nous, on présente les dossiers en tant que technicien, mais c'est la directrice de cabinet qui signe les arrêtés de subvention, ou qui ne signe pas d'ailleurs. Hein. Donc, même si nous, ici, on travaille en DTTM, il faut savoir qu'on a des liens directs avec la préfecture. Monsieur le préfet, dans la mesure du possible, il se rend sur nos actions. Bah, il était à Plérin en début d'année hein, pour la remise du radar pédagogique à la commune de Plérin. Il a la sécurité routière très à cœur. Après, bah, comment on fonctionne ici? Bah, ici, on est quatre. Les missions régaliennes, disons, dans tous les départements, ce sont les deux missions régaliennes, c'est vraiment l'observatoire et les radars. L'observatoire. Lorsque vous entendez à la radio, ce mois-ci, les chiffres de l'accidentalité routière sont en hausse de 10%, sont en baisse de 20%, ça vous arrive d'entendre ça? Ouais. Bah, d'où ça sort, ces chiffres-là? Ça sort, c'est la compilation du travail de chaque observatoire départemental. C'est-à-dire que les forces de police, à chaque fois qu'il y a un accident, donc, émettent ce qu'on appelle un BAC, hein, c'est un compte-rendu de l'accident. Et nous, derrière, on a le travail de fiabilisation de ces données. Donc, toutes les semaines, tous les mois, on a des remontées hebdomadaires, des remontées mensuelles à faire au ministère, qui les agrègent et qui après communiquent à toute la population en disant au mois de septembre 2020, il y a eu moins 30 tués par rapport. Voilà. C'est un gros travail qui occupe un mi-temps d'un agent chez nous. Ce sont des outils très sophistiqués hein, de comptabilisation. Donc, je parle des accidents, mais bien sûr, il y a les tués, il y a les blessés hospitalisés, il y a les blessés. À notre niveau, donc en dehors de la fiabilisation de la base, on vous envoie une petite synthèse mensuelle, je ne sais pas si vous la recevez, hein, qui vous donne un état de l'accidentalité. On fait une analyse annuelle de l'accidentalité, donc c'est sur le site de la préfecture. C'est un document assez copieux, hein, une trentaine de pages. Le bilan annuel de l'accidentalité du Morbihan. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Morbihan en matière de sécurité routière pendant un an? Donc c'est un gros travail aussi qui est fait par l'équipe. On vous a fait un zoom sur c'était quoi nos accidents mortels en 2019 dans le Morbihan. Et je vous invite à regarder de plus près parce que c'est, comme l'expliquait Virginie, nos actions de prévention, on les fait aussi à partir de l'analyse de nos accidents.
Jusqu'à présent, on avait une communication, notamment nationale, qui était focalisée sur les tués. Pourquoi? Parce qu'en 2010, lorsqu'on a parlé de sécurité routière au niveau européen, on a eu des objectifs fixés donc pour 10 ans. En gros, il fallait qu'en 2020, le nombre de tués soit divisé par deux et que de 4 000, on passe à 2 000 tués. Donc, c'est vrai que toute notre communication a été axée sur ce critère européen qu'il fallait tenir. Il fallait que l'accidentalité en France soit réduite de moitié et donc soit ramenée au nombre de 2 000. Vous savez à combien à peu près on est bon, l'année dernière, on était encore à 3 400, donc inutile de vous dire qu'on est très, 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 très loin des objectifs. Pour autant, un nouveau critère va rentrer en ligne de compte. Ce sera les blessés hospitalisés. Parce que derrière un accident mortel, je schématise, hein, mais bon, pour un tué, on a peut-être 5 blessés, quoi. Hein. Et c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, ces 5 blessés, ce sont des conséquences graves pour la famille, pour l'environnement professionnel, c'est un poids très lourd et on n'en parle pas assez. Donc, comme ce critère-là va rentrer en ligne de compte, la communication, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je crois que on a eu une communication très forte là il y a un an sur les blessés. D'accord. Voilà. Mais on écarte quand même un indicateur pour moi qui me semble assez important, qui est le dommage matériel, qui, je vois dans certains endroits de ma commune, il y a des accidents, ça crée des dommages matériels. On a de la chance que ça n'aille pas plus loin. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les données. Alors, Alors. vous avez raison. Alors aujourd'hui, comment on supplée le dispositif BAC des collègues des forces de l'ordre qui effectivement ne tient pas compte de ces petits accidents? Nous, dans le Morbihan, on a une convention avec les pompiers qui vont aussi beaucoup sur ce type de dommages. Et à côté de la base accident corporel, on a cette base des petits accidents, disons. Mais ce sont autant d'alertes pour dire, peut-être pas attendre qu'il y ait un gros accident avant de faire quelque chose. Est-ce que vous avez des retours sur des constats, par exemple, par rapport au monsieur Dreves qui est dans les assurances, est-ce que en fait vous avez des éléments en fait qui viennent des assurances sur des dommages matériels dans certains Alors, endroits qui sincèrement, n'engagent non. non? Les passerelles avec le champ des assurances, elles se font pas pour l'instant. La transmission des PV, par exemple, qui emprunte tout un circuit avec les assurances, ce n'est pas encore transparent. Il y a effectivement, hein, ces idées-là ont déjà été émises au niveau national. Il y a des problèmes de fichiers, il y a des problèmes de confidentialité, il y a des problèmes de CNIL, il y a des problèmes. Mais sincèrement, dans le Morbihan, on a recoupé hein, les accidents corporels, on a fait l'exercice sur plusieurs communes. Hein. Qu'on a remis à l'élu référent. Et c'est vrai que d'avoir la connaissance de ce qui se passe sur tous les types d'accidents, c'est un élément de compréhension donc, de la façon dont ça vit dans sa commune. Aujourd'hui, j'avais la prétention de remettre à chacun d'entre vous la sinistralité sur les 5 dernières années. Hein, puisque vous avez compris qu'on a un observatoire, on a une base, autant qu'elle serve, elle sert au niveau national hein, pour communiquer, je me suis dit autant qu'elle serve aussi aux élus référents. Et voilà. Une petite chose pour rebondir de la façon dont on travaille et faire un peu le parallèle à ce que vous avez dit Virginie au niveau national. De l'observatoire, on tire des enseignements il y a 3-4 ans, là, on a vu beaucoup de malaise arriver, beaucoup de malaise. On s'est dit, oh là là, la cause malaise, elle n'existait pas. Moi, quand je suis arrivée, la cause malaise, elle n'existait pas. Beaucoup de malaise. Et on a réfléchi entre nous et on s'est dit, de quelle façon on peut faire de la prévention? Parce que les chiffres, un chiffre, ça n'a de valeur que la valeur qu'on veut bien lui donner. Un chiffre, ce n'est qu'un chiffre. On s'est dit, on va trouver un biais pour parler des malaises.
Et en fait, on a lancé une campagne dans toutes les pharmacies du Morbihan, hein, 250 pharmacies quand même, hein, où on a attiré l'attention donc du public, hein, sur les pictogrammes sur les boîtes des médicaments, vous savez, là, les triangles là, de toutes les couleurs que plus personne ne regarde, hein, parce qu'ils font partie du conditionnement maintenant. Hein. Mais c'est vrai que la prise d'un médicament, même pour un rhume, hein, peut constituer un problème par rapport à la conduite. Donc, je ne vais pas vous dire que les malaises viennent de tous, du fait que nous tous, hein, prenons des médicaments, mais il fallait bien trouver une façon d'aborder le sujet et d'avoir 250 acteurs de sécurité routière, puisque c'est le nombre de pharmacies dans le Morbihan, qui attirent l'attention, hein, du pictogramme sur les... Voilà, on a parlé, on a essayé d'embrayer sur ces problèmes de malaise, de somnolence, en parlant de médicaments. Là, en ce moment, on a observé une recrudescence du nombre de personnes donc d'un certain âge avec des accidents mortels en vélo. Jusqu'à présent, nous, la sécurité routière, quand on s'adresse aux seniors, on s'adresse aux seniors avec le simulateur 4 roues. Hein, et on s'est dit, il y a peut-être un besoin de se tourner vers les seniors avec le vélo. On sait qu'on a une perte de mobilité, on peut peut-être compenser cette perte de mobilité en mettant tout simplement un rétroviseur sur le vélo. Hein. On peut mettre un écarteur de danger qui peut rassurer la personne. Enfin, donc on est en train de travailler sur... on va reparler du vélo avec les seniors, parce qu'on a trop d'accidentalité dans cette catégorie de population, qu'on n'avait pas il y a 4-5 ans. Pour vous dire que l'Observatoire, ce n'est pas que des chiffres. Derrière, ça nous aide à faire de la prévention. On a, dans le département du Morbihan, alors sauf cette année, hein, mais c'est toujours comme ça, c'est sauf, hein, 25% de tués en deux roues motorisées, ce qui est beaucoup. En gros, c'est 10 tués par an. Sauf cette année. Mais depuis que je suis là, c'est ça. Et avec le départ d'un de mes collègues, là, on a perdu la mission de chargé de mission de roues motorisées. Et devant cette forte accidentalité des motards chez nous, hein, donc on en a fait un enjeu dans le plan départemental d'action de sécurité routière, dans le document, dans le DGO. Et on a tarabusté le ministère pour nous dégager un temps, 20% de temps d'un agent pour faire cette mission-là de charger une mission de roues motorisées. Donc on s'est battu, moi j'ai dû me battre pendant 2 ans et demi, 3 ans, hein, pour qu'enfin on ait un chargé de mission de roues motorisées et on a le plaisir de l'avoir avec nous puisque c'est Thierry Camelin qui est également gendarme qui a cette casquette-là. Voilà, vous avez compris le lien direct, hein, c'est pas que des chiffres. Derrière, c'est très fort d'enseignement, quoi. Hein. Et je vous invite à regarder l'accidentalité 2019 dans le Morbihan, le zoom qu'on vous a fait, je trouve qu'il est très intéressant. Radar. Je vais passer très vite parce qu'on y passe énormément de temps en ce moment. Parce que la politique vitesse, la politique de contrôle de vitesse, sincèrement, elle évolue à la vitesse grand V, c'est le cas de le dire, là, depuis 2 ans. Donc, je pense que ça fera l'objet d'une information thématique, hein, la vitesse et la façon dont on aborde la vitesse dans le Morbihan. L'animation locale, bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Donc avec nos réseaux. Donc on a le réseau des élus référents, on a le réseau aussi des intervenants départementaux de sécurité routière qui nous accompagnent donc nous sur le terrain lorsque l'on fait des actions. Donc bah, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, tu as dû les inviter à une animation régionale sur le risque routier professionnel. Voilà, ben, l'animation locale, c'est ça, c'est l'animation de réseau, plus, la mise en
forme des documents, le PDASR, le DGO, la comptabilité, la gestion des subventions, enfin voilà. Et à côté de nous, on a la cellule éducation routière, donc ce sont les inspecteurs de permis. Ils sont à peu près une quinzaine là, dans le Morbihan. Et il faut savoir que ce sont des acteurs de prévention. Hein. Les collègues inspecteurs des permis ont dans leur formation de la prévention. Et on a la chance dans le Morbihan, ils sont à nos côtés pour mener des actions sur le terrain. Donc on en a deux qui sont sur la thématique théâtre en primaire. Et on en a, je ne sais pas, tu me diras Patricia, cinq en tout. Hein, qui nous aide sur le module conduite accompagnée que l'on déploie en seconde avec les auto-écoles. Donc ce sont des personnes très précieuses aussi. Et on se fait un plaisir de travailler avec eux et c'est réciproque. Quoi. Voilà. Comment fonctionne donc la politique locale? Tous nos documents sont sur le site sécurité routière de la préfecture. Les principales orientations, donc c'est ce que Virginie vous a expliqué, nous on a rajouté forcément la thématique du deux roues motorisé, hein, qui était en option, enfin qui était en option, qui n'était pas une obligation, mais vu l'accidentalité moto, la thématique du deux roues motorisé s'inscrivait logiquement donc, dans les cinq enjeux du département. Donc le DGO, c'est des grosses assemblées avec un maximum de partenaires et on en fait donc un travail de synthèse. Et ce qui est important, c'est que derrière, on décline tout ça en action dans un plan départemental d'action. Donc on le refait tous les ans parce qu'il évolue, parce qu'on est dans un monde qui bouge, hein, c'est pas statique. Et ce qu'on a dit une année, ben voilà, c'est moins la priorité, l'année d'après c'est une autre priorité. Concrètement, quel genre d'action? Bon, je vous ai parlé de la moto, là. Quand on a décliné notre nouveau plan d'action, parce que derrière le plan d'action, il y a un intitulé, il y a des sous aussi. Hein. On met une ligne budgétaire pour pouvoir réaliser cette action, donc c'est important. On s'est dit, deux roues motorisées, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, qu'on n'a pas fait et qui rendrait service? On a acheté un curvomètre. Donc le collègue Thierry vous en parlera peut-être, mais le curvomètre, ça permet donc... de vérifier le débridage des cyclos. Hein. Pourquoi? Parce que, ce que je vous disais, on a eu une accidentalité cyclo énorme et l'utilisation donc, de ce curvomètre avec les collègues de la gendarmerie a été faite donc, dans plusieurs communes du département et je ne sais pas... Si on prend 13 gamins, il y en a 10 qui sont débridés. Quoi. Alors, je laisserai, vous pourriez parler du côté assurance hein, derrière, hein, parce qu'un engin débridé, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus aucune garantie. C'est dramatique. Quoi, hein. On avait eu une communication du préfet d'ailleurs très incisive sur le sujet, hein, puisque sur Questembert, ce n'est pas l'anecdote, hein, mais les parents sont venus se plaindre. Hein. Le préfet s'est fendu d'un courrier à tous les parents en disant « Mais écoutez, moi, je n'avais pas envie que le prénom de votre enfant s'ajoute à la liste d'eux. Hein, » Et il a énuméré tous les gamins qui avaient perdu la vie. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le PDASR? Qu'est-ce que c'est qu'une fiche action? C'est par exemple, effectivement, on s'attaque au débridage, on achète un curvomètre et on fait des actions. Là, en l'occurrence, c'était avec les collègues gendarmes. Pour vous dire que c'est du concret. Un autre type d'action qui est alors plus récurrente, c'est par exemple notre implication dans les festivals des communes tout l'été. On a une très 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 grosse action envers les festivaliers et qui, à mon sens, produit ses effets puisqu'on a une accidentalité très très faible autour des gros festivals de l'été, et Dieu sait si on a des gros festivals. Hein. Quand je parle festival interceltique, motocultor, il y en a tellement que... Donc nous, on est là en appui des organisateurs pour organiser la prévention sur les sites des festivals. Et les collègues des forces de l'ordre, ils sont à la sortie en répression. Pour moi, le tandem prévention-répression, c'est ce qui fait que autour
de ces fêtes de l'été, globalement, ça se passe bien. Alors, la politique locale, on a choisi de vous mettre 4 diapos d'élus référents en action. Alors là, c'est Plumelec. C'était l'équipe de foot de Plumelec qui avait été mobilisée pour faire une action de sensibilisation à l'alcool. Alors, je ne sais pas pourquoi l'équipe de foot, hein, ça, l'élu, voilà, il s'est dit sans doute que ça allait être des bons ambassadeurs. Ah ben là, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, c'est la commune de Guidel qui a mis au travail toute l'équipe municipale, qui a fait de la prévention donc, avec tous les agents de la commune. Donc, on avait fourni des quiz à Noël et voilà, ils ont planché sur les quiz. Donc, c'est pas très compliqué, hein, une action de ce type-là, hein, dans la mesure où le maire veut bien laisser, je ne sais pas combien de temps ça a pris, hein, une demi-heure à chacun de ses employés pour faire ce petit exercice de quiz. Hein, on peut le faire d'une façon ludique, mais on apprend toujours quelque chose. D'où l'importance, effectivement, d'avoir conscience que vous avez du personnel aussi dans vos communes et que bah, il faut s'en occuper aussi. Hein. Vous êtes employeur. Ah ben alors là, c'est Plérin. En action aussi, avec un stand à l'occasion donc, des fêtes de fin d'année. Et là, je ne sais plus si c'est Ruffiac ou à l'occasion donc, du déploiement d'une piste vélo. Qui est une grosse action dans le Morbihan que la coordination déploie et offre à toutes les communes. Je reviendrai un petit peu plus tard. Qui agit en matière de sécurité routière? Pour vous dire qu'il y a pléthore d'acteurs, et il n'y en aura jamais trop. Hein. On est complémentaires. La coordination sécurité routière, c'est nous. Donc, on a un centre de ressources qui est assez important. On a du matériel, on a des simulateurs, on a des bénévoles. On peut déployer des actions dans vos communes, dans les entreprises. On met à disposition donc, des pistes vélo et on vous prépare des kits de prévention et on vous engage à nous suivre sur certaines actions. Les forces de l'ordre, police, gendarmerie, qui sont là également en matière de prévention, hein, au quotidien. Les services de secours, les pompiers, l'éducation nationale, ben oui, parce que l'éducation nationale, il prépare les enfants aux attestations scolaires hein, de sécurité routière, en primaire et en secondaire. Le ministère de la Justice, on n'y pense pas comme ça, hein, spontanément, au ministère de la Justice, hein. Mais quand on fait des actions, nous, avec les gendarmes, d'alternatives à la sanction, c'est-à-dire que, par exemple, on prend des personnes qui sont en infraction vitesse, on les invite, soit vous venez faire passer 2 heures avec nous dans les ateliers de la sécurité routière, soit vous avez votre contravention. Donc la personne qui accepte de passer dans nos ateliers de sécurité routière, de se voir asséner 2 heures de prévention, à la place de la contravention, il faut avoir l'autorisation du procureur pour le faire. Donc on fait ces actions-là avec les gendarmes. Des communes l'ont fait, la commune de Pontivy l'a fait aussi. Mais il faut l'accord du procureur. Là, dans 15 jours, à la demande du tribunal de Vannes, on va faire une action à destination de 5 mineurs. Hein, qui ont eu de mauvais comportements hein, sur la sécurité routière, de manière à ce que bah, le fait de faire deux jours de stage, ça leur permettra de ne pas être fichés, hein, dans la mesure où ils ont reconnu leur acte. Voilà. Fini. Le ministère de la Santé, notamment bon, avec beaucoup d'informations de sensibilisation sur les addictions. Les collectivités territoriales, le conseil départemental, lorsqu'il fait des aménagements hein, sur ses routes, hein, forcément, il a toujours en tête la question de la sécurité. Certains départements, pas chez nous malheureusement, offrent une aide technique aux communes. Mais depuis la loi NOTRe, c'est vrai que dans le département, cette offre d'assistance technique n'existe plus. Donc on a pensé à un moment donné que l'ANCT, qui est l'Agence nationale des collectivités territoriales, vous avez quelques éléments là dans
dans votre chemise, allait suppléer un petit peu à ce manque d'aide technique à destination des communes. Et en fait, non, l'assistance qui sera donnée par cette nouvelle agence, donc qui sera présente dans le département du Morbihan, s'adressera plus aux Comcom sur des projets plus importants. Alors que vous, souvent, vous attendez une aide sur des projets plus mineurs, quoi. Donc, les communautés d'agglo, ben, nous, je crois qu'on a deux communautés d'agglo, je crois que c'est le Roi Morvan Communauté et Questembert, qui ont pris nos radars pédagogiques, hein, et qui mettent à disposition ben, de la Comcom, hein, à chaque commune, les radars pédagogiques, par exemple. Et la région qui fait beaucoup de prévention dans les transports scolaires. Les associations, alors il y en a beaucoup dans le Morbihan et on ne peut que s'en féliciter. Elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Elles sont présentes pour tous les publics. Hein. Vous voyez, CASIM, FFMC, ce sont les motards. ANATEP, c'est sur les transports scolaires. La prévention routière est très présente en milieu scolaire et vers les seniors. Il faut savoir que nous, dans notre mission, on aide aussi les associations. Nos dossiers de subvention, on finance de manière à ce qu'elles puissent faire des actions en complément des nôtres. Alors, qui d'autre agit? Donc, les compagnies d'assurance, Groupama, Massif et plein d'autres. Alors, pourquoi on voit de plus en plus les compagnies d'assurance? Parce que sur nos cotisations, depuis très longtemps, l'assurance voiture, on a 1% qui est prélevé pour faire de la prévention. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'on a un spécialiste des assurances, là, donc. Et que ce 1%, en fait, il était donné à des associations comme la prévention routière pour faire la prévention. Et au fil du temps, les assurances se sont saisies de ce domaine et font eux-mêmes de la prévention. Donc, dans le département du Morbihan, le Crédit Agricole, qui est une banque, mais vous savez que les banques offrent de plus en plus d'assurances, donc avec sa filiale Pacifica, je crois, a acheté une voiture tonneau qu'elle peut mettre à la disposition donc, dans les grands événements. Groupama a construit deux véhicules test-choc qui mettent aussi à disposition donc, lorsqu'il y a des actions de sécurité routière. Le Crédit Agricole a prêté à Saint-Nolf, à l'occasion du festival l'année dernière, un véhicule qui leur a permis de faire un stand mobile, parce qu'il fallait que le stand de prévention soit un moment à l'entrée du festival et un autre moment à la sortie du camping. Donc le Crédit Agricole a prêté un véhicule qui a servi, un véhicule utilitaire en fait, hein, qui a permis à l'association et à la mairie d'offrir la possibilité de faire un stand mobile. Donc bah, les transporteurs, les cartes scolaires, la SNCF, n'oubliez pas, si vous avez un passage à niveau, il y a une équipe prévention à la SNCF qui fait un très bon travail, donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez de la prévention à faire à destination des scolaires. L'UMI. Alors, l'UMI a fait la belle affiche, là, qui est juste derrière Monsieur Huette. Hein. Il se pose la bonne question. Comment je rentre à ma sortie de discothèque? Donc, juste pour vous montrer un exemple de coopération avec l'UMI, qui est oui, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le collectif Orange Bleu sur la réduction des risques. On a, c'est surtout la prévention Maïf, hein, qui déploie beaucoup d'ateliers avec des casques virtuels, et qui est très présente à nos côtés, la prévention Maïf, lorsqu'il s'agit d'offrir dans le monde scolaire des interventions de type théâtre-forum ou pièces de théâtre, en fait, qui touchent. On sent que la pièce de théâtre arrive à toucher plus peut-être les ados qu'une intervention classique. Donc on essaye de leur parler comme ils ont envie qu'on leur parle. Et depuis 2 ou 3 ans, donc, on expérimente ça dans le Morbihan. On déploie énormément donc, de pièces de théâtre sécurité routière et on fait venir des acteurs comme la prévention Maïf avec des théâtres forums parce qu'en face, il y a du répondant, ça leur parle. Et il faut parler le même langage qu'eux si on veut être entendu, quoi. Alors l'implication des ERSR, c'est ma dernière diapo. Donc les ERSR du Morbihan, bah, pour nous, ce sont des ambassadeurs de la politique de sécurité routière dans le Morbihan.
ils agissent au plus près de l'ensemble de nos concitoyens. Ça, c'est un concept qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui. C'est vrai qu'on se rend compte qu'en matière de communication, on appelle ça la communication entre pairs, si vous avez un élève de seconde qui vient parler d'alcool ou de drogue à un jeune de troisième, il sera beaucoup plus entendu et compris que si c'est moi qui vais directement parler au gamin de troisième. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait notamment par la police sur vannes, hein, où des jeunes parlent aux jeunes. Et de la même façon, vous êtes un acteur de votre commune et si vous parlez à un de vos concitoyens, ça n'aura pas le même impact que si c'est moi qui viens vous parler. Donc, vous avez un autre rôle que le nôtre, vous êtes connu, ou on apprendra à vous connaître, hein, si vous n'êtes pas connu. Hein. Et le fait de ne pas avoir la posture que nous, on peut avoir d'être des spécialistes de sécurité routière, entre guillemets, quoi, hein, c'est un atout pour vous. Donc, à ce titre, bah, vous menez des actions de sécurité routière sur votre commune, avec nous, la coordination, toujours en soutien, notamment en soutien logistique.